Hello tout le monde, c'est Asso pour la plateforme de DayZ Network et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur Cell. Et je suis en ce moment même ici, donc au nord de Cell, de la ville principale. Vous vous souvenez que dans l'épisode numéro 2, enfin je suis mort, je ne sais plus où. J'ai commencé ici, je suis parti à l'airfield, je n'ai absolument rien trouvé. Et dans Cell Sud, je me suis battu contre un mec, enfin je me suis battu quand je dis ça, je lui ai lancé des canettes puisque je n'avais absolument rien dans les mains, mais le bonhomme a décidé quand même de me tirer dessus et j'avais trouvé un blue bag. Et ce fameux blue bag, je l'ai utilisé en plein milieu du pont. Quelqu'un m'en a fait une, avec beaucoup de difficultés, certes, mais tout de même. On est full life, on est dans la ferme qui est juste là. Passons au jeu. Le serveur, c'est toujours le même. Nombre de joueurs, avec le problème des textures, toujours encore, qui est relativement correct. Et on est toujours à poil, hein. À part tout ça, on n'a rien pendant qu'il y a déjà eu un tir et on n'est pas du tout en sécurité. Super. Et on n'a toujours pas d'armes, bien entendu. Donc, on va directement partir vers le campement militaire qui se trouve à Celle Nord, pardon, qui est quelque part par là-bas. Au passage, on va passer par les maisons, enfin un maximum quoi. On va faire un maximum de loot avant d'aller dans les baraquements. Donc, pour l'instant, pas eu trop de chance depuis que je joue sur Celle. Donc, peut-être un nom de, je sais pas, un nom d'épisode, enfin un nom de suite d'épisode ou de let's play, je ne sais pas encore. Qui va être en fonction de ça, je crois, parce que j'ai vraiment vraiment du mal à trouver des trucs. Donc je sais pas encore. Oh, ça va me tirer M4. Ouais, je vais y réfléchir pour ce nom. J'ai vraiment pas d'idée qui me vienne là tout de suite. J'ai rien qui me vient. Ok, les zombies étaient là, très bien, tout va bien. On va voir par là si on trouve quelque chose d'intéressant. De la mune, encore de la mune et toujours de la mune. Ce serait bien de trouver un petit peu autre chose. Alors, ouais, tu veux la crowbar? Prends la crowbar. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu... D'accord. Ok, c'est intéressant ça. Bon, on va garder là. Ah bah non. Double barrel shotgun, ouais, je suis même prêt à prendre un barrel shotgun, vous avez remarqué. J'ai absolument pas de mun, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Camo. Ok. Pourquoi pas. Est-ce qu'il va nous refaire le petit. Ok, je suis blessé, je ne sais pas comment. Bon. Standard. Jumelle. Why not? Non, j'avais pas. Ok. Continuons. Non, continuons par là plutôt. Du coup, est-ce que c'est des cartouches pour moi ça? 15 RND machin chose truc. Apparemment pas. Voyons voir celle-ci. 2 RND. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Double barrel, oui, forcément. Double barrel d'égale 2 balles dans le chargeur. C'est pas con du tout. Enfin, dans le canon. C'est pas idiot ça, dis donc. Pendant qu'on a de nouveau de la mune, alors on va retirer les. Makarov, les Makarov, les Enfield tout pourris là. Et on va partir avec ça. Et on verra bien ce qu'on peut faire avec. Mais ça me fait un peu peur. Oh, une boussole, ça y est, ça c'est un truc bien, enfin. Mais est-ce qu'on aurait peut-être un petit peu plus de. Ouh, chance sur celui-là? Apparemment pas. Et pendant que je suis entouré de zombies là, c'est assez horrible. Moi ce que je voulais c'est ça en fait. Vite, vite, vite. Civilian. Ah oui, c'est le mien d'avant. Ah oh, putain, quel boulet. Asso, tu es un boulet. Bonjour. À boire, à boire. Alors j'ai cru entendre du son, je sais pas si c'était à l'étage, ou si c'était le zombie, ou je ne sais pas. Mais j'ai cru entendre du son. Bandage, j'ai assez, tiens. Bonne question. Non. On emmène. C'est des munitions pour moi, ça? Ouais. Pendant que j'ai de nouveau la race de bouffe sur moi. Oui, je sais. Je ne fais pas exprès, hein, promis. Bah, tu l'as prise ou tu ne veux pas ou... Ah voilà. Ok. Voyons voir. Le camp militaire était par où déjà? Pendant qu'il y a un joueur là. Alors, il saigne.
va devoir se bander. Oh là, je suis tellement mauvais. Ah, j'allais dire. Ok, M4CCOSD, ça c'est parfait. Alice Pack, ça c'est encore plus parfait. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Une hache. Un M19, mais c'est magnifique, mec, tu me sauves la vie là. Ça. T'as pas une map par hasard? Non, t'avais pas de map, hein, forcément. Dommage. Alors, ça on emmène, ça on emmène. 6 chargeurs, on va laisser ça de côté. Combiné, combiné. Encore un chargeur de plus. Pendant qu'il y a des tirs. Bandage. Ok, close bag. Maintenant, ouvrir Alice Pack, qu'est-ce que t'avais là-dedans? Wow, fuck, mec, t'avais des trucs par contre. 4 places encore. Ça, est-ce que t'avais des bandages? 2, parfait. De la bouffe, t'en as pas beaucoup. Morphine, t'en avais une? Oui, t'en avais une. 2, 2. Ok, close bag, hop. Matériel. Échange de sac. Bim. Ensuite, ouvrir le patrol pack. Ça. Et c'est tout. On se tire. Alors, j'ai bien cru à un moment que je ne l'aurais pas. Petit coup de pression là que je me suis mis tout seul comme une... mais ça va, tout s'est bien passé, ouf, heureusement. Maintenant. Alors le mec, le bandage à cet endroit là, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue. Mais il avait pas trop de solutions, enfin si, me chasser. Enfin moi c'est ce que j'aurais fait. J'aurais continué à saigner et je l'aurais chassé le bonhomme. Mais pour le coup on ne sait toujours pas où on va, on n'a pas de map. Ouais. C'est un petit peu pourri ça. Alors j'ai oublié de lancer mon chrono, je le lance tout de suite. Je ne sais plus du tout à combien j'en étais. On va dire 3 minutes. Allez, au pif. Où sont les camps? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, c'est celle-là. C'est là? Ouais, c'est là. Donc, il y a déjà quelqu'un apparemment sur place. Au vu de la fumée des Red Flares. Voyons voir. Alors, les silencieux, c'est ultra pratique tout de même. Hein. Alors, lui est encore vivant, on dirait. Enfin, première vue. Ou peut-être pas remarqué. Qu'est-ce que t'avais sur toi, mon coco? Rien d'intéressant à part un G17. Et combien de chargeurs? Un seul. Non. Ce sera pas pour cette fois le G17. Mais je sais que l'arme est là, si je trouve des mines, je prendrai soin d'emmener le G17 avec moi. Alors on va éviter de se faire shooter comme un cucu là. Ce serait bien de rester en vie. Mais il y a pas mal de flares qui traînent quand même. Voyons voir, voyons voir. Restons calmes. Alors toi, on va régler le problème tout de suite. Et là, je cherche du Stanag. Rien. Ah, peut-être que je peux en trouver là-dedans du Stanag, mais il va falloir vider les... Il va falloir vider le bordel là. Ok, on va le faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Je peux en trouver quelque chose à l'intérieur? Bah, apparemment pas. Vite. Ouais, il y a absolument rien. Donc, quelqu'un a déjà tout vidé avant. C'est pas très cool ça. Alors, j'ai récupéré ma nourriture. Et puis, on se tire. Allez, c'est parti. Donc le serveur devrait pas tarder à redémarrer normalement. Ce qui donc on pourrait peut-être supposer qu'il y ait de nouveau du loot ici à l'intérieur. On va rentrer à l'arrache. Oh. M4CCO. Peut-être un truc. Charge sur sa coche. Ah oh, ma vie.
Complètement, mec. J'adore ça. Oh, mais ça, c'est bon, ça. Donc, on va directement changer l'arme. Rien à foutre. Un G17, quoi. Non, non, non. Ok. Oh. Je suis pas trop sûr de ce que j'ai vu là. Honnêtement, je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai vu, mais je crois bien quelqu'un. Et c'est sans blague. Ok. On va aller checker ça de plus près. Ok, il était pas armé, mais maintenant il y a plus de pitié. Maintenant c'est fini tout ça. On voit quelqu'un, on le défonce. Il n'y a pas de feinte. J'ai plus envie de me prendre la tête là. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il te plaît. Serveur restart dans 5 minutes. D'accord, très bien. Ok. C'est bien, on venait de commencer la partie. C'est un peu con ça. Alors avant que le serveur redémarre, il faut absolument que j'aille chercher le chargeur vas-y de G17. J'ai vraiment du mal à parler. Chez notre ami là, Aubin. Aubin, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal du tout ça. Merci mec. Maintenant du Stanag peut-être. M9, ça me va aussi. Et rien, très bien. Poursuivons. Ah, peut-être que toi, tu vas pouvoir m'aider. Ok, on va manger. Et voyons voir. Bon, je pense qu'à mon avis, ça a déjà été pris les mines qu'il y avait là-dedans. Ouais, voilà. Mais en tout cas, au moins pour le restart, on est juste à côté du de la zone militaire là. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, il y a peut-être encore celui-ci qui pourrait peut-être me sauver. Ouais. Parfait. Stanag silencieux. Hop. Stanag silencieux. Alors cette fois-ci, je vais me séparer de nourriture et de boisson. Non, pas avant ça, je vais me séparer de ça. Ouais, remarquez. Bon, on va emmener les Stanag standard aussi. Non, pas les Stanag standard. Ok. Je vais aller essayer de récupérer très rapidement le chargeur de G17 que j'ai vu juste avant. Ah mais il y avait peut-être des Stanag silencieux d'ici aussi. Non? Ok, non rien. Non. Avant le restart, me semblait que j'avais vu quelque chose qui ressemblait en tout cas. Ok, non. Bon, très bien. Notre ami qui avait le chargeur de G17, où est-il? Il est là, je crois, ouais, c'est lui. Oh! C'est la galère. Oh, fatch! J'ai eu beaucoup de chance là. Ok. Bon. Flashlight militaire. Un télémètre? Mais oui, mec, complètement. Je te laisse les jumelles toutes pourries là. Et ce qui remplit. Non! Oh dur! J'ai fait de la merde. Bon. C'est ça que je voulais. Ça, ça. Ça, ça. Je crois que c'est tout. Tac, 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 tac. Ouais, ouais, ouais. Bon, je sais, je peux nouveau ouvrir une épicerie, hein, j'en suis conscient. Mais en même temps, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant. Et pendant qu'il y a un drapeau allemand ici, intéressant. Et on se taille. Alors, au restart, je vais me foutre là-dedans, tiens. Le temps du restart. Pendant que j'ai de nouveau eu énormément de chance avec la recharge de mon flingue, là. Je n'ai de nouveau pas regardé les munitions que j'avais. Et voilà. Et moi, je vous retrouve dès que le serveur aura redémarré. A tout de suite. Ok, tout le monde, on se retrouve. Le serveur vient tout juste de redémarrer. Je sors de ma petite maison. Et il y a déjà du zombie sur place. Ok.
Alors, il n'y avait pas de loot à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal, mais, on peut penser qu'il y a peut-être des amis à nous, juste là. Ok. Bon, alors, je ne sais pas si ça pop, déjà, à mon avis, pas. En tout cas, ça serait intéressant de, si ça n'a pas pop, revenir dans quelques secondes. Ouais. Ouais, ça n'a pas pop encore, je pense. Oh, nice. Voyons voir. Stanag 30C, ça ne m'intéresse pas. M9SD, ça par contre, oui. Et je vais commencer à me débarrasser de la bouffe et de la boisson. Mes amis, vous avez raison, j'ai beaucoup trop sur moi. J'en sais. Je sais. Mais bon. Ah, bah, je vais peut-être m'en débarrasser tout de suite, tiens. Prendre Stanag, ouais. Bah, déjà, j'aime. Reviens, reviens. Allez. Parfait. Bon. On va manger, manger. Stanag silencieux, deux fois. On va se séparer de beaucoup de canettes de boissons. 3. Et 3, ça me paraît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein, 3 et 3, c'est pas mal. Bam, 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 ça c'est bien. Bam. Alors, on a toujours encore la sacoche qu'on peut faire péter. Ne pas oublier. On va manger comme un porc. On va boire aussi, puisque de toute façon, j'ai pas envie de laisser ça sur place. Et j'ai mangé une canette de trop. Ce n'est pas grave. Maintenant, on est bien. Bah maintenant, on peut aller chasser les gens. Ou alors, éventuellement, faire un tour au supermarché, peut-être. Et. Ok, c'est bon, ça souffle de l'extérieur. Oh, ouais, on peut peut-être quand même faire un petit tour par le. Ouais, allez, on va faire un tour par le camp. En entier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Un GPS, peut-être. Qui sait? Voyons voir. Ouvrez la porte. Oui, ouvre. Non, rien. C'est un accident silencieux. Ouais. Bandage, tout ça. Non, non, non. Oh! Qu'est-ce que c'est comme arme de ouf, ça? MG36. Alors, je dirais bien oui, pour tester, mais non, pas cette fois. Je suis un peu deck quand même. Alors, ouais, non, non. J'allais dire poser une tente, mais même. Le temps qu'on vienne, trop de. Non, non. C'est pas sûr qu'on y arrive. Pendant qu'on a encore du chargeur de flingue, je. Non, je ne prendrai pas. Rien. Grenade fumigène, non. Non plus. Et. On va jeter un coup d'œil au fond, peut-être que. Grenade à fragments, voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en boire un coup, tiens. Hop. Et on a la grenade. Parfait. On va continuer. Alors, des sacoches que j'ai oubliées, hein, je sais, j'en suis conscient, c'est pas très grave. En même temps, on a quasiment tout ce qu'il faut là. J'ai 17, blablabla, non. Non. M16. M'intéresse pas. Non. Et non. Donc dans tous ces bâtiments, il n'y a que 3 armes quand même au final, hein. Sachant qu'il y a un fusil à pompe, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une arme, mais. C'était qui ça? Est-ce que le zombie s'est excité tout seul? Ou je ne crois pas, non. Au vu des tirs, je ne crois pas qu'il s'est énervé tout seul. Voyons voir. Est-ce que notre ami a. Parce que c'était quand même une mitrailleuse lourde que j'ai entendu. Bon, les tirs étaient assez loin. Mais tout de même. Est-ce que par hasard notre pote là il se serait pas servi dans ce bâtiment-là, il se serait barré ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Pendant qu'on va vers le sud, il aurait été intéressant d'avoir la map également. Alors je vais peut-être tenter un truc un peu fou là. Non, ça ne sert à rien puisque vous ne verrez pas la map, c'est vrai. Donc, voyons voir. Vers le sud, oui, c'est vers le sud qu'il faut que j'aille moi. Vers le sud? Oui, vers le sud. Oups, j'ai oublié de vous ramener avec moi, je crois. Dans le doute. Nous y voilà. Alors,
Vers le sud qu'il faut que j'aille moi. Donc ouais, c'est par là. Il va falloir que je retraverse le pont en revanche. Et ça va être autre chose. D'un poil plus dangereux, n'est-ce pas? Entre-temps, j'ai quand même checké les maisons. On peut peut-être quand même trouver des maps des fois. À bon entendeur, n'est-ce pas? Si tu peux m'aider sur ce coup-là. Ça m'arrangerait beaucoup. Non, non, non. Une map, une map. Oh, la poche de gilet check quoi. Mais trop de la boulette. C'est collector cet objet. Oh, aïe. Oh. Pas vrai ça. Donc on peut se servir de notre arme au final, hein, puisqu'on a, on a suffisamment de munitions. Et au pire, je sais où en chercher si jamais j'en ai vraiment besoin. Même s'il reste plus beaucoup de chargeurs. Non, non, non. Peut-être plus haut là, non. Non, non, aucun loot. Très bien. Donc on va repasser par derrière, c'est peut-être un petit peu mieux. Oh, faut remarquer. Bonjour. Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Maintenant qu'on est un petit peu tranquille là, il me reste 22 balles, ok? Une map, s'il vous plaît. Apparemment pas. Ok, donc rien. La boussole me dit le sud par ici. On va partir par là. Peut-être faire un tour encore en celui-là, éventuellement. Rien du tout. Oh là là. Allez, une map là. Ça m'aiderait ouf tellement. Petit demi-tour. Voyons voir. De la bouffe. Why not? Mais je suis plein. Alors, on va faire ça. Ok, c'est parti. Et rien. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut visiter d'autre ici? Dites-moi. Voilà, alors mon objectif c'est celui-là là-bas. Le gros bâtiment avec le toit orange. Le voilà mon objectif. Maintenant. Ah. Oh. D'accord. Donc le viseur est pas très précis de loin. Hein. Oh. Ah, voilà. Très bien. Alors le mec va forcément débarquer à un moment ou à un autre. Faut juste pas que moi je me fasse sniper dans le dos ou par quelqu'un d'autre alors qu'il me reste 13 balles dans mon chargeur. Ça aussi, il faut que je fasse gaffe. Mais ce pont, hein, me paraît un petit peu dangereux là. Oh, ils sont plusieurs. Ouais. Paraît un tout petit peu dangereux ce pont. Poursuivons. Ils sont où mes deux potes là?
Oh là là. Deux balles dans le cul. Et tout est réglé. Voyons voir. Wow. Ah, un AS-50 à 380 mètres. Quand même. C'est un beau tir. D'accord, très bien. Oh, les nerfs, quoi. Putain, mais dès qu'on a un truc bien dans les mains, laisse tomber. Bon, eh ben, c'était la surprise. Je suis mort. Et on recommence. Donc, ben, petite ellipse, à nouveau, le temps que le... Ah, remarquez, peut-être que le serveur, vu qu'il a redémarré, ça va un tout petit peu plus vite. On va jeter un coup d'œil. Pendant que mon briquet vient de rendre l'âme. Oui, il est décédé. Donc, nous sommes de nouveau là. Nous sommes à Celle, donc on n'est pas très loin. C'est bien. Ok, je suis de nouveau là, on est reparti. Encore et toujours, pendant que je suis bloqué avec par un sac, c'est intéressant. Et je suis mort en fait juste là-bas. Donc si je me grouille, j'ai peut-être encore mon stuff. Et si j'ai un peu de chance aussi. Ok, parfait, on y va. Alors l'idée du truc, c'est que... Alors attendez, pas que je me trompe de chemin quand même. Tac 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 tac. Non, apparemment. Non, c'est bien ça, j'étais bien ici. Donc le plan du truc, c'est que bah, c'est lui qui m'a tué probablement. Celui qui est dans le buisson, qui va voilà me tirer encore une fois dessus. Ou qui s'est peut-être fait descendre à son tour, tiens. Ouais, peut-être bien. En tout cas, le plan est que on va courir comme des dératés, comme des oufs, comme des cinglés, comme des gros malades, tout droit vers mon arme. Que je prends ce que je peux récupérer, avec le temps imparti, n'est-ce pas? Pff, après, c'est... D'accord, en fait, il va me looter. Alors, très bien, ce qu'on va faire. Changement de plan. Puisque le mec a l'air passionné par ce que j'avais, et je peux le comprendre. Il y avait un mec là. Non, il est pas mort. Fais chier. Eh bien, on va voir ce qu'il va me laisser. Et à mon avis, rien. Allez, pas de pitié. Cours, c'est tout droit, mec. Allez, vite, 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 on se taille. C'est une blague. C'est une énorme farce. C'est une énorme farce! Mais ce mec ne veut pas crever! Mais c'est pas possible! Oh! Mais c'est nouveau le même type. Va te faire foutre, va te faire foutre, et va te faire voir. Comment ça me saoulait cette histoire là? Il était aussi en train de pisser le sang. Mais moi il m'a pété les jambes. Et là on se retrouve à. Ouais, péter au schnock quoi. Et j'ai même pas lu où on était. Oh putain, non, quelle galère. Bah là c'est la fin de la map, donc on est nouveau sud-est quoi. Eh ben, je vous dis à tout de suite. Ok, tout le monde, on se retrouve. Nous sommes à Wienhausen, c'est vrai, au sud-est. Dans le fameux Irish Pub. On va voir ce qu'on peut y trouver dans ce Irish Pub. Ah oui, bah oui, la clochette, surtout pour faire bien, bien plein de bruit, c'est pas mal. C'est un joueur, ça? Ouais, c'est un joueur. Je pensais qu'on serait tranquille, en fait, pas du tout. Donc c'est un excellent début. Je vais peut-être de nouveau y rester très rapidement, très probablement même. Ouf. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire c'est pas très grave, hein, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Mais bon, la marche commence un poil à me saouler et la map en elle-même au final n'est pas très jouissive du fait de la marche déjà. Même s'il y a des choses pas mal et assez intéressantes qu'on peut trouver à gauche à droite, je ne suis tout de même pas fan de la carte. Alors c'est peut-être parce que j'ai pris l'habitude de UTS où, vous allez me dire, on trouve pas beaucoup plus de trucs, mais de l'action directe et plus looter comme ça et autant marcher.
Bien que je le fais encore sur Taviana. Mais bon. J'ai pas trouvé vraiment de gros points forts à cette carte. À part les petits détails comme les sonnettes, les choses comme ça. Sinon, c'est vraiment rien d'extraordinaire, je trouve. Maintenant, il y en a peut-être qui vont m'insulter, il y en a peut-être qui vont me dire, mais Asso, t'as rien compris. Peut-être. Mais bon. Ce serait marrant de faire un frag à la crowbar, tiens. Jamais fait encore. Peut-être tenter ça. Si j'ai un crossbow, me tenter le crossbow aussi. Et on va se mettre en première personne, vue immersive complète. Allez, pour le fun et pour les 7 dernières minutes de vidéo. Rien d'intéressant. Un flingue. C'est un début. Donc on a que 7 balles, on va faire attention avec quand même. Non, non. Rien du tout, très bien. Et je suppose que tous les zombies sont ici, n'est-ce pas? Non, même pas. Ah, il y en avait un en haut. Pendant qu'on a de la bouffe ici, on va emmener. Hop. Ah, il y a encore de la mune et des allumettes cette fois-ci. Et on a un énorme tir. Ah, il combine le chargeur au moment où il faut pas, lui. Allez, vite, recule. T'as fini? Ton bordel là? Alors, il avait un truc sur lui, je ne sais pas ce que c'était. On va checker ça tout de suite. Non, ah, j'ai dû voir les loots par terre. Fausse alerte. Pendant qu'il y a un mec au fusil à pompe qui s'amuse là. Il est peut-être dans l'hôtel de ville. En tout cas, on va faire tous les bâtiments qui sont ici et je pense que ça marquera la fin de l'épisode numéro 3 et éventuellement peut-être même mon épisode final sur celle puisque comme dit, je n'ai pas vraiment accroché la carte. Donc voilà, j'aurais tenté quand même, j'aurais testé tout de même. Faut dire que j'ai quand même passé 4 heures dessus au total, puisque bon, vous ne verrez qu'une heure et demie, mais j'ai quand même passé 3 heures, peut-être pas 4, mais 3 heures bien. Entre les courses, entre machin, entre les ellipses que je vous fais, etc. etc. Il y a bien 3 heures de jeu au total. Et franchement, sur ces 3 heures, on a vu qu'une partie de la map, mais ça m'a suffi quoi, perso. Bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant encore ici? Ouais, allez. Encore de la bouffe. Non, c'est vrai, ici y a rien. Ah, c'est marrant, première personne. Je joue vraiment très très rarement première personne. Mais c'est pas mal. Peut-être consacrer quelques épisodes en première personne aussi. Pour échanger un petit peu de gameplay et être dans un truc un peu plus immersif que d'habitude. Pendant que je crois qu'il y a un joueur qui débarque. Bon, en tout cas, j'ai entendu du bruit. C'était peut-être un zombie aussi, mais aucune certitude. Je ne sais pas. En tout cas, il a une arme relativement correcte dans les mains. Oh putain, sérieux. À première vue. Mais ouais. Je sais pas trop. De toute façon, on a envie de s'en rendre compte, à mon avis. Voyons voir. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. On va peut-être se tenter ça. Des fois, il arrive que. Et du loot, apparemment pas. Enfin, attendez. Non. Ok. C'était encore une visite dans un hôtel de ville qui n'a pas servi à grand-chose. Je n'ai même pas trouvé de munitions pour mon flingue. Je vais devoir d'ailleurs en utiliser pour descendre, apparemment. Pendant que lui tape à travers les murs. De nouveau, le truc que j'adore. Ah merde, t'en as un deuxième. C'est bon, j'ai réussi à l'esquiver. Oh, prends l'escalier peut-être pour descendre, ça sera mieux. On va peut-être passer par ici, faire un petit tour. Et il y a encore la maison qui est juste là. Et apparemment, il n'y a rien. Alors, il y a peut-être des loots en haut, mais j'ai pas envie de monter, j'ai la flemme. Hein, comme ça c'est dit. Et on va juste encore checker cette maison-là. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Oh. Ouais, on va peut-être pas rester dans le coin trop longtemps non plus.
Une gourde, non. Je n'ai pas envie. Rien. Qu'est-ce qu'on peut trouver en haut? Que dalle. Et que dalle. Très bien. Ah. Alors, on va se tenter un truc un peu sneaky pour la fin, là. À savoir tirer. Oh. Bon, je repasse en troisième, hein, vous m'en voulez pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tenter avec ça. Il est où? Il est parti où notre ami là? L'Ienfield à 24 mètres, ok, ouais, bon, ça on s'en tape à la limite. Mais toi, mec, où est-ce que tu es parti? Me dis pas que t'es parti quelque part, je ne sais où, ça m'arrangerait pas trop. Bon, ouais, on va le chercher, de toute façon, on s'en tape. Moi, je vais essayer d'en baffer un à l'acrobar, voir si ça fonctionne. Alors, peut-être qu'il s'est barré vers celle qui est là-bas. Tout à fait possible, puisqu'en même temps, il n'y a plus grand-chose à faire dans le coin pour lui s'il avait que la Lionfield dans les mains. Donc, on a un tout nouveau joueur. Oh, au Fatch, yes! Oh, nice! Est-ce que je l'ai eu? Apparemment, oui. Non. Ok, arme. Vite. Ok! Ah, c'était génial! Donc, j'ai une M16. Avec de la bouffe, c'est parfait. On va récupérer tout ce qu'il a sur lui. Il n'y a pas grand chose au final. Ouvrir le patrol pack. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? De la bouffe. Ouais. Sinon, rien d'autre d'intéressant à vue de nez. On va emmener une boisson encore. Et un deuxième bandage. Et on se tire. Donc, j'aurais quand même eu quelqu'un finalement à l'acrobar. Et puis, ça marque donc la fin de l'épisode sur celle. Encore une fois, je ne pense pas reprendre les épisodes sur cette carte. Au cas où, si je le fais, au moins j'aurai un petit peu de stuff. Je serai loin de tout de nouveau pour pas changer. Mais au moins j'aurai quelque chose dans les mains. Voilà. Et je vais me cacher là-dedans. Ça me paraît pas mal. Ah bah il y a du loot aussi. Au passage. Encore une canette de bouffe. Nice. Alors je suis content d'avoir tué quelqu'un à l'acrobar pour une fois. C'est ma toute première fois, ça fait bizarre et en même temps ça fait du bien, c'est rigolo. Chargeur de G17, et puis la hache. Allez, vendu. On va prendre la M16 en main, il a encore 14 balles. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Days & Network sur YouTube. Ciao tout le monde, à plus.